Savez-vous saisir les opportunités qui se présentent à vous en immobilier? On va faire un test dans cette vidéo qui va répondre à la question si oui ou non vous savez les voir et les saisir. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, c'est plus de 40 collaborateurs. On vous accompagne dans plusieurs villes en France, Paris, l'Île-de-France. On vous accompagne à Lyon, à Marseille et bientôt dans beaucoup d'autres villes. Aujourd'hui, je voudrais faire au travers de cette vidéo un test pour vous, pour savoir si vous savez saisir les opportunités, si vous avez un mindset d'investisseur. C'est assez simple. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la saison estivale. C'est assez simple de savoir si vous avez un mindset d'investisseur. Quand vous allez partir en vacances, et je vous le souhaite, que ce soit en France ou à l'étranger, le dénominateur commun de tous les investisseurs, c'est que peu importe où ils se retrouvent dans le monde ou en France, quand ils regardent autour d'eux, ils voient de partout des opportunités là où les autres ne le voient pas. Et ça, c'est assez caractéristique. Quand vous avez par exemple une difficulté, un problème même anecdotique ou que vous vous baladez dans la rue, le mindset d'investisseur, vous allez pouvoir voir comment trouver une solution, comment créer de la valeur. Donc, je vous invite vraiment à faire ce test parce que généralement, si quand vous marchez dans la rue, dans une ville que vous ne connaissez pas, vous voyez des opportunités, vous sentez des rues qui sont plus propices à faire une bonne opportunité, à savoir si c'est une ville où potentiellement il y a une activité économique où ça doit être intéressant ou non d'investir, c'est assez caractéristique de tous les investisseurs. C'est aussi cette raison qui m'a poussé à développer cette société dans plusieurs villes parce qu'il y a des opportunités de partout. On ne pourra jamais toutes les saisir, mais on veut effectivement représenter le panel le plus large et le plus important possible pour pouvoir vous offrir la possibilité grâce à notre société, grâce à notre accompagnement pour ceux qui souhaitent et notre expertise, la possibilité de saisir le maximum d'opportunités. J'ai souvent eu l'occasion de le répéter, en immobilier, le temps c'est de l'argent. Plus vous achetez tôt, plus vous commencez à rembourser votre emprunt, plus vous vous enrichissez parce que le temps joue pour vous. À l'intérieur de ce que vous remboursez tous les mois à la banque, la plus grosse partie, largement, puisque les taux d'intérêt sont ultra bas, c'est un effet d'aubaine magnifique. La plus grosse partie, c'est votre enrichissement personnel. Le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs, et c'est leur problème, débutants ou ceux qui ne sont pas du tout investisseurs, et bien parce que l'argent n'est pas directement dans leur poche, pensent qu'ils ne s'enrichissent pas, alors que la dette que vous remboursez, l'amortissement que vous remboursez, c'est un magnifique enrichissement. On dit souvent qu'il paye ses dettes, s'enrichit, et c'est vrai, si demain vous contractualisez une dette sur 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, la cote-part que vous allez rembourser chaque mois, c'est de l'enrichissement de patrimonial direct pour vous. Alors n'attendez pas, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Oui, ça fait peur et c'est normal parce que l'immobilier est engageant sur plusieurs années, parce que les sommes d'argent sont importantes, mais c'est parce qu'elles sont importantes que ça va aussi vous enrichir de façon importante. Faites partie des gens qui se bougent, faites partie des gens qui investissent et qui sortent de leur zone de confort pour se créer un empire immobilier. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir en direct l'intégralité des nouvelles vidéos. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous sortez de votre zone de confort pour investir dans l'immobilier et je vous invite à rassurer toutes celles et ceux qui sont passés à l'acte, qui sont passés à l'achat, à expliquer pourquoi vous avez eu raison de le faire. À bientôt, ciao.